www.casarima.fr. Nouvel album, Ma Prière, de la sœur Inès Nzembani, bientôt disponible sur le marché des disques. Clip en promotion, Punda. Esengisa kokume sayo, Yahweh. En exclusivité, tapez www.casarima.fr. Chers téléspectateurs, amis et auditeurs de la www.casarima, bonjour. Bienvenue dans notre tranche magazine Que disent les Quinois. Que disent les Quinois, de Bino Moboebi magazine à Bino. Il y a toujours une réponse à la question. Et à la canne ignorance, Kat Nabiso. Et là, on vous signale déjà que Kazarima Nachombo, hein? Kazarima facilité déjà. Il suffit juste d'avoir un téléphone en marque Android et vous cliquez sur Play Store, vous téléchargez l'application Kazarima. Et là, pour vous faciliter partout au Bozali, bon, mais quand un peu Kolanda, bah, magazine comme Que disent les Quinois et des émissions comme Rien à dire, rien que la vérité de frère Alvin Abéa et d'autres. Et quand vous téléchargez l'application Kazarima, vous aurez certainement la télé Kazarima, la radio Kazarima et YouTube pour voir vos vidéos. Et sans plus tarder, aujourd'hui, on a un sujet à parler avec vous. Le sujet là, c'est les sabbats. C'est quoi les sabbats? Nous allons découvrir ça tout à l'heure là avec notre caméraman, le frère Shadrach Kaongo. Yende penanda simbi siko caméra. Tous on mekan pe ko découvrir Ninio Batuba Koloba concernant les sabbats. Suivez. Pour un sabbat, c'est un jour où il y a repos. Pour un bateau, il travaille à ka. Donc, pour un bateau, il travaille à ka demi-journée. Pour un bateau, il travaille à ka nabanda. Pour un sabbat, il travaille à ka préparer. Pour un dimanche, pour un préparer qu'il y a dimanche. Pour qu'on prépare ba blo mususu pour un dimanche. Pour dimanche, ça makambo ebele. Oh, ba papa va se préparer na wa. Et d'accord, samedi. Parce que samedi, et d'accord, jour, moi, quand il y a repos, pour qu'on se prépare dimanche. Pour qu'on commence à dimanche, on commence à aller à Nanda, qu'on commence à dimanche, plutôt que qu'on s'en zambé, pour qu'on s'en va m'en bébélé. Ah, samedi, ça, normalement, samedi, ça, demi-journée. Et ça, demi-journée, jour à repos, donc tout ça, dans la journée, qui est au sous, ça, 14h, nous allons ici. Ça va pour nous journée Oyo, pour préparer pour le lobby, pour que moi église, pour laver moi basket, moi litinao, banini, lobby, ok, braï. Pour ceux qui battent une journée, mon bimbara et à cop, ils en attendent, ils ont été pour préparer, quand ils sont pas célibataires. Donc, il y a un moment, ils battent un souk à 12h, 13h, nous sommes les de battre belé baé ba ravaler à sabaté. Il y a un banda, au salaire, un banda lundi, il y a un sabaté, pourquoi donc rien? À sixième jour, il y a semaine, donc tout ça, il y a cinq jours, mais ça va faire ça la demi-journée pour m'avoir moins avant ou préparer ma rambouille belle et belle. Bon, dimanche, vraiment, dimanche, normalement, il y a repos et un zambé. Pendant un zambé, il y a repos, est-ce que ce n'est pas un musulman? Il y a repos qui repos à dimanche, bon, on va y bien côté. So, ah, on a qui ça, ça repos, ça a un musulman pour mingi mingi, ba chrétien de bazar. Donc, repos dimanche, ça a un zambé. Mais, repos l'état pays à l'île.
ba repo mo pe ya ya mo ya bongo vraiment ya li mais ya nzambe de to respectara nzambe dara leader yende ya base bani ha. Bon, le sabbat dans la transition juive, c'était le temps de repos. Donc c'était le temps de jubilé. C'était le temps où on ne travaillait pas. C'était le temps où on devait se reposer après avoir travaillé. Donc c'était le sabbat chez les Juifs. Bon, Dieu lui-même, le créateur du ciel et de la terre, il a travaillé. Et le sixième jour, Dieu s'est reposé. Le septième jour plutôt, Dieu s'est reposé de ses travaux. Donc, c'est comme ce que je venais de dire à tout à l'heure, c'est le temps où, donc, après avoir travaillé, donc en Israël, lorsqu'on travaillait, il y a eu même le temps où on devait apporter le repos pour la terre. Pendant le temps, on ne pouvait pas encore s'aimer où la terre devait se reposer. Aujourd'hui, nous, les nations, nous avons trouvé le repos en Christ, si je peux bien me résumer. Sabbat pour Nangaï, sabbat. Lokola na bajif, sabbat. Ezali mokolo ya repos pour na bango ba pema, pour na kokota dimanche. Mobiso awa, lokola christianisme eza makasi. Yangwa nozo mona, sabbat, ezala katoke mokolo asuka musala, dimanche nde bato ba pema. Eza boyete, ezali 6e jour la semaine, pour na kokota na 7e jour. Bo siko biso tozo landa selon ndenge kaka bango moko nde ba memela biso calendrier wana. C'est total bien biso pe tozana calendrier ba africain pezali. Ya biso mois ici la ka le 28. Mais soyi to komi le 29, le 30, le 31 wana za ba journée moko bo ba ibe la biso ba bati la biso alokuta. Mais na bango kuna soko tali bien a même na kisasa soko sali esika ba jif bazali. Ba kufuta yo le 28. Bango sanza na bango esuka ka le 28. E kat sakate. Ah, qu'est-ce que le 29 rien. Mais awa tozo mona ba mesusu bazo mema biso ba le 31 ba le 1er. Ah, mais c'est lo ba chiffre bango mo calendrier na bango ezali journée asuka eza samedi. Il y a plusieurs façons de définir le sabbat parce que chez les musulmans et chez les chrétiens. Bon. Le sabbat ça marque la fin de la semaine. Hein? Comme Dieu avait créé la terre, on dit que le septième jour, il se reposait. Et le jour où il se reposait, chez les chrétiens, c'est le dimanche. Le repos, le dimanche. Donc les chrétiens, normalement, le premier jour de la semaine commence le lundi. Mais chez les musulmans, le premier jour de la semaine, c'est le dimanche. C'est-à-dire le sabbat, la fin de la semaine qui est samedi, et le dimanche, le premier jour. Donc le sabbat, en quelque sorte, c'est la fin de la semaine. Non, pour le peuple juif. Pour nous, les chrétiens, nous considérons le dimanche. Et le premier jour de la semaine, c'est lundi. Le sabbat, c'est le 6e jour de la semaine. Sabbat, pour nous, c'est le 6e jour de la semaine. Nakin awa ça va pas travailler demi-journée voilà oui bon dimanche c'est la 7e jour de la semaine et amko va pas payer ma bac en église va samedi bon c'est un peu ça pas travailler non en fait puis on travaille à demi-journée et ça va ma entreprise mon sous-sous va travailler à thé samedi va travailler dans mon bac en thé ma misou bac en va travailler juste demi-journée 15h bacati. Bonjour, Nathalie. Bon, pour moi, le sixième jour et la semaine, pour moi, comme jour moi, il y a week-end, quoi, pour moi. Puis, pour moi, week-end. Et puis, souvent, il y a une demi-journée pour l'entreprise, de compagnie. Bon, donc, c'est un peu ça pour moi. Non, pour moi qui me batte, je dis, il y a un jour pour les entreprises. Et ça acaba demi-journée. Bon, pour nous, bisoto ça là, on a bisoté, on est juste allé au okay, école, institut, et de ton retour, moi, week-end, c'est un peu ça. Bon, normalement, pour moi, les dimanches, on a trouvé, et ça comme journée, mon coup, donc il y a repos, quoi.
pour prier dans deux le matin d'abord aucun nom que remercier mon toi à Batelo durant toute la semaine et ensuite donc faut qu'on se repose surtout pour mes parents on travaille trop donc hasard donc souvent hasard tout le monde les dimanches faut moi repos ça fait aussi du bien c'est un peu ça. Le sabbat, c'est le sixième jour de la semaine, qui est le samedi. Bon, pour les juifs, c'était une journée dont ils ne travaillaient pas. Mais pourtant, pour nous ici, en RDC, on travaille, mais du fait, demi-journée. Et voilà, vous avez suivi des avis concernant tout et chacun. Donc, les sabbats, ils ont repos pour les juifs parce que c'était le sixième jour où Bango a trouvé que non, le calendrier na Bango, ils ont le jour il y a repos pour Bango. Et le sixième jour là, Bango pour Bango, ça là quel côté, ça là quel côté. Et on dit même à la Bible que quand Jésus-Christ faisait des miracles le jour du sabbat pour les juifs, bango babande ko kakanda. Y en a qui pensent bango kanda. Pourquoi? Parce que jour wana pour na bango, et ça jour na bango y a repos. Et les autres ont dit que le jour de repos c'est le dimanche. Oui, pour des chrétiens, le jour de dimanche c'est un jour y a repos au tokendaka ko kumisanza. Mais c'est juste changement y a calendrier. Donc calendrier juif c'est juif et pas na bango sabbat et ça le col à dimanche pour na bango jour y a repos. Et nous le chrétien jour na biso y a repos et ça le dimanche septième jour selon calendrier na biso ba chrétien. Et c'est par ici que nous bouclons notre tranche magazine et nous vous disons vraiment merci. La binonyoso yo bolandaka ke 10 de kinoa binonyoso bo portaka biso toujours ba conseil nous vous disons merci et un grand merci aussi à l'équipe technique qui m'accompagne toujours là je vois le frère Chadra Kaongo hein derrière la caméra des équipes naïe yenda simbi vraiment caméra et là je vois encore la main puissante le bon Kwanzambe hein ouais simbi vraiment montage na kati ya Kazarema le frère Cédric Ngongo hein Yenda simi pena montage à Kazari moi ça que bah émission bah clip bah affiche ça là Pitoro Makasi c'est lui je dis merci au PDG Blaise Manzambi et à sa femme Maman Lise Manzambi et sans oublier la DG Nanette Nzongo hein Maman Yakinawa Mbote Makasi je dis merci et bonjour Sali à mon daddy papa Bruyali Chilumba et à la maman Marthe et la bana refidim nyonso na pesibino mbote ba jida mavakala Eric mavakala ba Lisa Linda ba mapasa solo la refidim na pesibino mbote makasi mokambidie mokami popol mbote ya makasi vraiment et si vous voulez vraiment nous joindre joignez moi sur le Facebook qui est Yolanda Mavakala York et n'hésitez pas de nous écrire s'il y a un défaut, un rapport, tout et tout. Et si vous voulez aussi nous contacter, contactez-moi sur le 00-243-81-298-99-18. C'était là votre humble servante Yolande Mavakala. Portez-vous bien, on se retrouve à la prochaine. Ce qui a été, c'est ce qui sera, ce qui s'est fait. Ce qui se fera, bien. Allô, Maman Lise? Oui, Yannick. Oui, oui, Maman Lise. Bonjour. Bonjour, on a TV, le comité de la Chombo. Et ça, c'est solo.
L'application Casarima? Oui. Bon, Yabisanga, Torosala Boni, Potosuango la Bachombo. Tu peux télécharger ça sur Google Play Store ou sinon pour les iPhones sur App Store. Ah, mère, tu n'as point de quoi un monde mobile, monde entier. La Chombo Bamba Batali Casarima TV. Oui, tu peux télécharger ça sur Google Play Store. Ah bon? Mais on sait que Satan a qu'est-ce que lui fait l'eau ou apino Satan a qu'est-ce que lui fait l'eau. Dans mon isamon, on pense à mon point de quoi mon mobima. Oh, gros boy, a qu'est-ce que lui fait l'eau. Satan vraiment a dit zéro. Quand ça rentre à la radio, quand ça rentre à la TV, quand ça rentre à l'internet, quand ça rentre à la canette, quand ça rentre à la chambre. Ah, demain, on a dit Satan, ma femme, il y a poisson à coupa. On lui fait l'eau, mais il y a billet. La vie, il y a maman. Ah, hein. Casarima, tu sais pas qu'on a déjà une application sur Google Play Store? W.